Ouais. Exact, tu peux le faire. Hey, salut Emma, ça va? Il faut que je te... Non? Non, non, plus de peps. Plus de peps. Hey, salut Emma, comment tu vas? Non, toujours pas. Ouais, qu'est-ce que tu me veux? Oui, Jack, c'est moi. Je sais que c'est toi, ça s'affiche sur l'écran. Je t'appelle car j'aurais vraiment besoin de toi et plus précisément dans le 4x4. Non, mais puis quoi encore? Jack, c'est vraiment important. Ouais, cool, je m'en fous. Bon, écoute, si tu viens me chercher, je ferai tes devoirs pendant les 2 prochains mois, ok? Bon, ok, ça marche. T'es où? Voilà, pourquoi tu m'as fait venir? Bah c'est simple, en gros je me promenais, je descendais par ici et bah je suis une arrivé. Une inversion course s'il te plaît, j'ai pas que ça à faire. En gros, je suis arrivé ici, les mecs ils sont en train de refaire la maison, ils la rénovent, il y a tout un paquet de merde qu'ils avaient, moi j'ai trouvé un truc intéressant dedans. Attends, tu m'as fait venir pour cette merde? Si tu m'avais ramené en voiture, j'aurais pas eu besoin de t'appeler. Là je suis à pied donc j'ai besoin de ton 4x4. Ouais, plaisir. Allez, prends le bout, passe l'arrière. Allez, ferme ça, viens mêler. Ouais. T'as vraiment intérêt à faire mes devoirs pendant 2 mois. Oui, oui. Hey, tu vas où? Je vais me chercher à boire parce qu'apparemment je vais avoir du travail, mais pour que c'est de voir, t'inquiète, ça devrait aller, on est en vacances d'été. Hé! Comment ça? Reviens ici! Je crois que je commence à comprendre. Est-ce que je vois, t'as pas dormi la nuit? Effectivement, ouais, j'ai passé la nuit. Mais je commence à trouver des trucs intéressants. En fait, la machine était trop vieille et du coup, j'ai dû la transférer sur ce nouveau système. Hé, hey, je viens de faire le ménage là, c'était à ton tour. La prochaine fois, c'est pour ta pomme. Ouais, en effet, j'ai pas fait le ménage, mais enfin, si tu mettais un peu plus du tien, la maison elle serait propre tout le temps. Je vois pas de quoi tu parles. Salut les mecs! Comment va? Tiens Emma, ça va? Salut! Bah ça va, enfin les vacances quoi! Ouais, enfin! Et sinon, quoi de neuf vous? Oh rien, John travaille sur un truc bizarre depuis hier soir. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment bizarre, j'ai jamais vu ça. Alors pour que toi tu connaisses pas, faut vraiment que ça soit vieux hein! Bah le truc c'est que j'arrive pas à trouver de date, donc j'ai fait des recherches en plus, mais vraiment c'est... C'est un fouillis, ça a été fait maison visiblement, mais c'est ultra sophistiqué pour ce que c'est. Mais tu vas bien finir par trouver. Bah ouais, mais enfin j'ai plusieurs centaines de milliers de documents différents, donc je vais avoir de la lecture. Hein. Alors bonne chance, hein. Mais moi faut que je te laisse parce que faut que je récupère un roman que j'ai laissé chez une amie. Si tu veux, je peux t'emmener, j'allais justement bouger d'ici. Bah si ça te dérange pas, ouais pourquoi pas, merci. Bon bah salut, hein. Salut. Ouais, c'est ça. Au fait, Jack, merci de m'avoir emmené. Oh, c'est rien. Mais la prochaine fois, préviens-moi que tes amis, ils ont un lion à la place d'un chat. Il va pas lâcher des bases. J'aime pas le chat. Mais t'exagères, c'était pas un lion, c'était un petit chaton de rien du tout. Un chaton, ok. Mais alors, un chaton qui adore manger les pieds. On va manger au petit-déj. Si tu le dis. Tu sais, Emma, faut que je te dise un truc. En fait, je... Oh, attends, tu peux t'arrêter, s'il te plaît?
Excuse-moi, j'adore cette forêt. Elle est magnifique. Elle m'inspire. Je vois que t'as toujours ton vieux téléphone. Ah oui, bah... Au moins, je risquerais pas de le casser, quoi. Tu sais, avec un nouveau téléphone, tu te ferais une meilleure photo. Oui, c'est vrai. Je sais. Et tu voulais me dire quelque chose avant? Ah, Non, rien, laisse tomber. Je te ramène directement chez toi, du coup? Bah... Oui, je veux bien. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, Jack, tu tombes bien. Viens, je te montre un truc, tu vois, c'est cool. Mais tu fous quoi? Viens, je vais te montrer. Regarde. Ok, cool, c'est quoi? Bah, des plans. Des plans de quoi? En fait, c'est les plans de la machine là. Je les ai trouvés dans la bécane et pareil, avec, il y avait un programme qui permet de gérer ça. Le problème, entre guillemets, c'est que pour l'instant, je sais pas trop à quoi ils servent. Ok, maintenant tu fabriques des trucs à partir de plans qui viennent de vieux machins. Ça va, c'est pas la première fois que je construis des trucs non plus. Ouais, justement, c'est bien ça qui m'inquiète. Bon, j'ai rendez-vous avec mon lit. Si j'entends un seul bruit dans le garage, ton truc là, il finit dehors. Quel con. Pardon? Non, rien, il fait bon. Moi, ouais, je préfère. Ok, donc... Voilà, ça marche comme ça. Donc, si je pars et je fais ça... Non, ça fait pas ça. Putain. Ça fait 2 heures que je suis dessus. Mais ouais, j'ai passé toute la nuit qu'on peut filmer, ouais. Bon bah je vais voir pour un petit moment. Je vais vérifier mon sommeil, moi, allez hop, on verra ça demain. Salut John! Wow, c'est quoi ce truc? Ah, salut Emma. Rien, je fais un peu de bricolage. Ouais, je vois ça. Sinon, quoi de neuf? Ah, bah, moi j'avais oublié mon portable dans le 4x4 hier. Du coup, je suis venue le récupérer. Ah, ok. Et toi, à part bricoler, tu fais quoi? Je suis bloqué là. Encore? Ouais, et bien bloqué en plus. Pourquoi? Si tu veux, hier soir j'ai réparé le système qui permettait de faire tourner ça. Le truc c'est que j'ai absolument aucune idée du mot de passe et il est trop protégé pour que je puisse le craquer. Vraiment, j'arrive pas. Ah ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Bah au pire, t'as qu'à faire comme moi. La dernière fois que j'ai oublié mon mot de passe, j'ai essayé jusqu'à ce que ça marche. Ouais, enfin, je suis pas correct moi. Bah, je sais pas, regarde autour de toi. Souris, clavier, téléphone, ordinateur, Emma. T'as essayé 2056? Non, pourquoi? Bah, je sais pas, c'est un peu écrit là, en fait. Ah ouais? Du coup, niveau programmation, médaille d'or si tu veux, mais niveau observation, bah tu repasseras, en fait, hein? Oui, bah voilà, toi t'aimes prendre des photos, t'as ton sens du détail, moi non, j'ai autre chose, voilà, c'est bon. Bon, après tu dis ça à la fille qui a réussi à oublier son téléphone portable. Bon bah testons ça du coup. Bon bah t'as trouvé ce que je cherchais. Alors, ça fonctionne? Je sais pas, je vais lancer. Prête? Ouais, vas-y. Wow. La vache. Quoi ce truc?
Je sais pas, mais certainement pas ce que c'était censé faire. Oh, c'est quoi ce bordel? Pas mal de trucs. What the f... C'est quoi ça? Je sais pas, une sorte de portail, je pense. Ok, attends. Genre un portail dimensionnel, science-fiction bah, et tout? Je sais pas, j'ai plein de fenêtres qui sont ouvertes. Putain, c'est énorme! Ouais, bah, portail dimensionnel ou pas, vous me coupez ça, j'ai une grosse mat à finir. Putain, les mecs, vous êtes pas cool. Le meilleur moyen de savoir ce qu'il y a de l'autre côté, c'est de traverser. Ah, t'as pas intérêt à faire ça. Ouais, non, c'est genre vraiment pas ce qu'il faut faire. Ah ouais? Bah, venez me chercher. Putain, elle est pas vraie, celle-là! C'est pas possible, celle-là. Allô? 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 Jack? John, c'est toi? Oui, ça va? Ouais, dis-moi, tu te rappelles que je t'avais laissé une chance pour pas transformer tes vacances en cauchemar? Eh ben c'est bon, t'as utilisé ton dernier joker. Et Emma, ça va? John, tu devrais voir ça. On est dans une forêt, c'est magnifique, mais Ouais, c'est génial, Emma, mais là, on n'a pas trop le temps. Bon, dis-moi, la Labotti, tu nous ramènes ou tu nous fais une petite partie de démineur? Ben, je sais pas, prends le portail en... prenez le portail en sens inverse. Tu vois, on aimerait bien, mais... Il a disparu, ton fichu portail. Je sais pas trop là. Bon alors, ça vient? Oui, ça vient, je cherche. J'espère que vous aimez les balades, hein, parce que va falloir marcher. On dirait que le portail est à l'autre bout de la forêt. Vous devrez le trouver rapidement. Les mecs? Je crois que j'ai entendu un truc. Attends, j'arrête, je peux trouver un truc. Ah, voilà. Quoi? Écoutez, quoi que ce soit, ça branche le bout assez rapidement, alors je vous conseille de pas trop tarder, hein. Attends, quoi? Courez vers le portail, vite! Emma, ça va? Ouais, oui, je crois. Coupe-moi cette merde! Désactiver le truc, je sais pas comment faire, moi je... Comme ça! Je dirais que tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre? Tu sais aussi ce qui va rentrer! Bon, point dans ta gueule! Ok les mecs, c'est pas le moment. Voilà, hein. Pour l'instant, j'aimerais bien savoir ce que c'était ce... Ce truc, ok? La forêt, le monde virtuel, tout ce bordel, d'accord? Je sais pas, faut... Il reste encore certainement plein de trucs à découvrir, faut que je bosse dessus. Oh, parfait! Maintenant on fait quoi? Comme si rien ne s'était passé? Pour le moment, oui. Parce que je pense que John a suffisamment de recherches à faire, n'est-ce pas? Ok, oui. Ouais, bah moi j'ai pas que ça à faire, regardez le compte et fouillez son ordi. Je me casse! D'abord, j'ai changé. Je crois que je vais partir avec lui, histoire qu'il fasse pas trop de bêtises. J'ai entendu! Ouais, pas de soucis, t'inquiète, j'ai compris. Ok, donc... Code matriciel permet de sauvegarder un individu dans la machine... D'accord, ouais... Mais je vois pas pourquoi... Emma est toujours dedans. Bon, bah on va débugger tout ça. Oui, c'est le portail. Mais c'est pas Emma. Content de te voir. Ouais, moi aussi.
J'ai vraiment cru que j'allais rester enfermée dans cette machine. Ouais. Par contre, si t'es là, c'est qui avec Jack? Attends, quoi? T'es déjà sortie de la machine tout à l'heure avec Jack? Non, non, puisque je suis là. On a un problème, je vais l'appeler, hein? Quoi? Ok, c'est quoi son numéro? Attends, prends mon portable, au moins on est sûr qu'il répond. Ok, ça marche. Ah Emma, la dernière fois qu'on est passé ici, je voulais te dire un truc. Oui. Enfin, je voulais te dire. Oh putain. Jack, c'est ton numéro. Ah oui. Allô? Bah, elle est avec moi. Qu'est-ce que tu racontes, sale con? Jack, c'est pas des conneries. Ok, donne. Jack, la Emma à côté de toi n'est pas la vraie. Ce n'est pas la vraie Emma. Jack? 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 Qui êtes-vous? Votre pire cauchemar. Allô? Y'a quelqu'un? Emma, John, y'a quelqu'un? Attendez, c'est moi. Allô? Mais merde! Hé, hey, connard! C'est pas parce que le courant passe entre nous que t'étais obligé de me bousculer. Personne ne touche à ma Emma! Ça va, Emma? Ouais, je crois. Attends, et comment ça, ma Emma? Ça va, j'ai compris. Je pense qu'il est définitivement temps de mettre cette machine hors d'avenir. Ouais, on ferait mieux de la foutre au fond du lac. Oh oui. Entièrement d'accord. Je crois surtout que vous allez venir avec moi.